Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer cette calculatrice qui est là, qui va vous permettre de protéger vos données personnelles, c'est-à-dire vos images, vos vidéos, qu'importe le téléphone. Avec cette astuce-là, vous allez pouvoir protéger votre vie privée, pouvoir protéger vos vidéos YouTube si vous êtes un YouTuber. Mais avant de partir, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous exigeons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. L'application est simple, elle existe sur Play Store. Il y a plusieurs types d'applications d'ailleurs. Il suffit simplement de chercher calculatrice secrète. Secrète calculatrice ou bien calculatrice secrète. Une fois que vous lancez, vous allez trouver toutes ces panoplies d'applications qui est là. Mais celle qui fonctionne très bien, que moi j'ai déjà essayé, vous l'aurez dans la description. Donc c'est celle-ci. Quand vous l'installez, que vous l'ouvrez, ils vont vous demander un code PIN. Le code PIN, c'est quoi? C'est le code que vous insérez, que vous cliquez sur égal. Ça va vous faire rentrer dans votre base de données. Donc ici, par exemple, je vais prendre, sachez très bien que si le code commence par 0, ça ne fonctionne pas avec cette appli-là. Je vais prendre 4 fois 0, vous allez voir, ça ne passe pas. Donc, il suffit de changer les premiers chiffres et de changer par 1000. Là, ça passe. On me pose une question dans le cas où j'oublie le téléphone. Donc, je vais mettre, par exemple, qui suis-je? Je vais mettre qui suis-je et je vais répondre à la question. Le jour que j'oublierai le code, c'est avec cette astuce-là que je vais pouvoir rentrer. Ils vont vous dire de sélectionner vos données. Donc, vous voyez là, il suffit simplement de cliquer sur le dossier qui est tout juste en bas et vous allez créer votre nouveau dossier. Donc, créer votre dossier, votre propre dossier. Je clique par exemple Mister ou bien je mets quoi? Bon, je mets Mister Tech. Et une fois que j'ai fini maintenant, je valide, je clique sur créer. Pour faire enregistrer un dossier, il suffit simplement de cliquer sur le plus. Et quand vous rentrez dans le dossier, simplement de sélectionner les images que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez simplement sur votre dossier, vous rentrez, vous cliquez sur le plus. Et ici, vous sélectionnez les images et vous cliquez sur la clé qui est à gauche. Et quand vous arrivez là, vous voyez maintenant l'image est venue ici. La vidéo, c'est pareil. Vous rentrez, vous sélectionnez les vidéos que vous voulez. Et vous, une fois que vous avez fini de sélectionner la vidéo, vous cliquez sur la clé qui est tout juste en bas à gauche. Donc, vous voyez la clé, voilà l'image, voilà la clé qui est tout juste en bas à gauche. Une fois que c'est fait, c'est fini. Vous n'avez plus rien à faire. Par exemple, nous allons sortir du téléphone. Quand nous sortons du téléphone et que nous allons rentrer, nous allons essayer de rentrer, vous allez voir. Donc, une fois que nous allons rentrer dans la calculatrice, il faut d'abord insérer le code avant que ça ne passe. Qu'importe le code que vous allez mettre. Donc, vous pouvez faire tous vos calculs. Si quelqu'un prend le téléphone, il peut faire les calculs qu'il veut. Mais tant qu'il ne mettra pas le code, ça ne passera pas. Mais s'il met 1000 et qu'il clique sur égal, vous allez rentrer dans la base des données. Et là, vous allez pouvoir voir vos images et vos vidéos. Donc, c'est une astuce simple que j'ai trouvé tout récemment et que j'ai essayé de vous partager. Si vous l'avez aimé, likez, partagez et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.